verset numéro 10 du chapitre 1 de Ruth. Vatomarnala, elles lui dirent ki itar nashuv. Non, avec toi, itar nashuv, nous allons revenir les amers vers ton peuple. Il y a dans ce petit verset des informations importantes. Elles décident d'abord de continuer dans leur recette, dans leur bonté, d'accompagner leur belle-mère. Et, mais il faut faire attention aux termes qui sont utilisés. Ki itar nashuv, nous allons retourner avec toi les amers à ton peuple. Tout se passe comme si leur conversion n'est pas une conversion qui leur donne la sensation de faire partie du même peuple que Noémie. Il y a, de façon extrêmement subtile, une certaine forme de distance, une certaine forme de non-pénétration totale et qui est rendue parfaitement par « itar ». Être en hébreu veut dire avec, mais non pas le avec du im, il m'a dit, ouais, le recette que vous avez fait avec moi, le im c'est lorsqu'on est vraiment lié l'un à l'autre. Exemple, Steve Jobs et Wozniak qui ont créé la société Apple, ont créé ensemble Apple et l'un est absolument nécessaire à l'autre. En revanche, si je prends un taxi, je peux dire que je suis avec le conducteur de taxi. Et là, le « et », le « avec » qu'on va utiliser en hébreu va être le « et ».« Et » veut dire qu'en fait, je suis circonstanciellement avec ce chauffeur de taxi, mais j'ai aucun lien qui me lie à lui, si ce n'est une application Uber. Il y a donc ici une certaine subtilité dans le fait qu'elles ne se sentent pas totalement encore à l'intérieur du peuple. Et ce n'est pas forcément leur peuple, ce n'est pas par manque de volonté, mais on se rappelle que lorsque leurs époux respectifs se sont mariés avec elles, ils n'ont pas joué le jeu du vrai mariage, du mariage dans lequel on va donner, on va être une source d'inspiration pour son épouse. C'est la raison pour laquelle elles sont restées dans cette attitude que l'on pourrait appeler une attitude encore un petit peu moabite, malgré leur vertu extraordinaire. Voilà ce que l'on peut dire pour le verset numéro 10.